Salut les boss, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de ce mec. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est? Jean-Marc là-bas? Non, c'est pas le commandant Cousteau, non. Ce mec, c'est Paul Magès. C'est juste la personne qui a créé les suspensions hydropneumatiques qui ont équipé les premières DS. C'est le système qui a un peu sauvé les miches du général de Gaulle quand il y a eu l'attentat du petit Clamart. Parce que je dis pas que des conneries tout le temps. Bon, je te laisse aller voir, prends 5 minutes pour aller voir ce que c'est l'attentat du petit Clamart. Non, vas-y maintenant, vas-y. Bon, en gros, tu vois la DS qui roule sur 3 roues? Eh ben voilà, c'est ça. C'est un système qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais c'est une super intro pour parler de la DS4 E-Tense. Et c'est Dimitri qui va nous en dire plus. Dimitri, allez viens. Viens m'expliquer, viens dire. Ça va? Et toi? Bah écoute, ça va très bien, moi, je suis super content. Est-ce que tu peux te présenter ta concession, tout ça? Je m'appelle Dimitri, je suis vendeur société pour le groupe Auto Bernard, plus particulièrement Auto Bernard Champagne-Ardenne chez DS et Citroën. Est-ce que tu peux me parler de son aspect extérieur, son esthétique? On a un véhicule avec un design charismatique, élégante, dynamique. Et lancé, je dirais. La DS4, t'as raison, elle a une silhouette athlétique avec un regard très incisif, notamment marqué par les feux DS Matrix LED Vision. Gros travail sur les feux, sur la calandre, qui permettent vraiment au véhicule d'avoir une identité visuelle marquée. Concrètement, en termes de dimension, elle fait combien de... On est vraiment sur une berline compacte avec 4,40 m de long, ce qui te permet aussi d'avoir ce design très fluide. Ouais. C'est notamment grâce aux poignées affleurantes qui te permettent, juste par un push, de les ouvrir. Okay. Ou alors, vu qu'elle est équipée du système aide au démarrage main libre, de détecter ta présence et de les ouvrir à distance. D'accord. Ou de les fermer. Du coup, on peut la tester? Allez. Il a dit qu'on peut la tester. Franchement, waouh. Je kiffe l'intérieur. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr. Donc là, on est sur une motorisation hybride rechargeable. Ouais. 225 chevaux. Ok. Donc moteur E-Tense 225. Donc un moteur thermique de 180 chevaux et un moteur électrique de 110 chevaux. Et est-ce qu'il y a d'autres motorisations? Une motorisation diesel, Blue HD 130 chevaux, boîte automatique, ouais. Donc EAT8, et motorisation essence PureTech 130, avec aussi la boîte automatique EAT8. Comment ça fonctionne l'autonomie, tout ce qui est là dans la partie électrique? T'as trois modes de fonctionnement. Mm-hmm. T'as un mode de fonctionnement 100% électrique qui te permet d'utiliser jusqu'à 62 km d'autonomie. Tu peux recharger sur tout type de prise, hormis les prises charge rapide. Mais tu peux recharger avec une prise standard murale, une prise murale renforcée et sur une wallbox qui te permet d'avoir à ce moment-là une charge qui va être beaucoup plus rapide. En moins de 2 heures, tu peux recharger l'autonomie du véhicule. Avec une borne 7,4 kW. Parle-moi de... Allez, le cockpit. Tu as deux écrans, une partie information sur un écran numérique que tu vas avoir en face de toi, qui va te permettre d'avoir plusieurs types d'infos, les flux d'énergie, ton autonomie, réservoir de carburant bien sûr, mais aussi un rappel de la navigation. Tu as aussi en projection dans le pare-brise un affichage tête haute. Ah ouais. Donc dessus, tu peux retrouver la vitesse. Après, tu as toute la partie tablette qui, elle, a parfaitement été intégrée au tableau de bord. Ça a vraiment une partie infodivertissement où là, on va retrouver Apple CarPlay, Android Auto sans fil. On a une partie qui est complètement paramétrable avec des profils à la manière d'un smartphone. On a aussi les DS Matrix LED Vision qui offrent un éclairage vraiment haut de gamme et très pointu. Les véhicules sont équipés en hybride, sont équipés des DS Active Scan Suspension. Okay. Donc en fait, on a une caméra qui vient filmer la route en permanence et qui va venir adapter les suspensions en fonction des aspérités de la route en amont. Tu as aussi le DS Night Vision qui permet d'avoir une vision infrarouge la nuit de ton environnement pour permettre de te prévenir d'un animal qui viendrait traverser la route. Il y a un piéton sur le côté, on est dans des conditions où on ne voit pas très bien. Okay. Cette caméra-là va venir t'avertir et te permettre d'avoir un affichage de nuit. En fait, la DS4, c'est vraiment le mélange du luxe, de l'esthétisme et aussi de la technologie. Toute la sellerie, c'est un vrai boulot qui est fait chez DS. Le cuir bracelet, une des spécificités de chez DS, qui rappelle un bracelet de montre en fait, au niveau de l'embossage du cuir, fait dans un seul morceau de cuir. C'est vraiment une de leurs spécificités.
tout ce qui va être céleri, c'est vraiment un marqueur chez DS. En termes de volume de coffre, on est à 360 litres. On est sur un coffre qui est plutôt intéressant par rapport au standard de la moyenne. J'ai envie de te dire, vu qu'on est sur une des avenues les plus chères au monde, parlons argent, écologie et fiscalité. Et vas-y, t'as écrit quoi là sur le... Attends, je comprends... Ah si, je suis sur la bonne page. Au niveau de l'amortissement de la batterie, on va demander à Dimitri. Dimitri, il y a un truc que je piche pas, faut que tu m'en dises plus sur les amortissements, TVS, tout ça, tout ça. Alors, au niveau fiscalité, puisque le véhicule émet 27 grammes de CO2, exonération complète de TVS. Comparativement à un modèle thermique, tu vas pouvoir amortir 20 300 € plus le montant de la batterie qui est de 8 700 € au lieu de 18 300 € pour un modèle thermique. Pour te donner une idée, la consommation de ce type de véhicule, quand on utilise bien le système hybride, c'est 1,2 litre au 100. D'un point de vue classe énergétique, elle est notée A, ce qui est plutôt une bonne chose. Elle rejette approximativement 27 grammes de CO2 par kilomètre. Et ça, c'est bien. Et en termes de livraison, il faut attendre environ 6 mois pour recevoir la belle. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur mon-courtierauto.fr où vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram, Facebook et TikTok, mais majoritairement sur LinkedIn et YouTube. Dimitri, on va essayer de démonter une roue. On va voir si elle tient sur trois roues, celle-là.